Thomas-Jour, Brive la Gaillarde, Georges vous enfile la leçon. Poète génialement d'avant-garde, on atteste aujourd'hui cette chanson. Quel que soit le sujet qu'on aborde, Maître Brassens, c'est un récit actuel et bien dans les cordes, pour qu'on va même les plus indécis. Prenez donc par exemple au hasard les phrases de la télévision, Nabila et tout ce bazar qui passionne aujourd'hui des millions de Français au cerveau en sommeil, qu'ici je ne vais pas nommer, mais qu'on reconnaît à merveille dans Trompette de la Renommée. En effet, maintenant que l'on souhaite plaire à ce genre de public, il faut, je sais, oui, c'est pas chouette, abreuver de répliques pathétiques. Surtout, il ne faut pas hésiter, ça soyez-en bien convaincu, qui veut être plébiscité, homme ou femme, de nous montrer son cul. C'est d'ailleurs la même logique qui tristement tient le pavé dans ce cloaque politique où triomphent les pires des navets. Il suffit au camp gros pouvoir pour stopper la révolution de s'afficher et non sans gloire en coucherie dans toutes les positions. Mais ne sommes-nous pas responsables, comme dirait Charles de cette chanlie, nous qui pensons indispensable de savoir ce qui se passe dans le lit de la bande d'escrocs qui gouverne, et c'est nous qui l'avons élu. Ça dure depuis le temps des cavernes, je sais pas vous, mais moi j'en peux plus. Ça dure depuis le temps des cavernes, je sais pas vous, mais moi j'en peux plus.